Pour n'importe quel angle x, on a le sinus de 3x est égal à moins 4 fois le sinus au cube de x plus 3 fois le sinus de x. C'est exactement ce que nous allons démontrer. Et pour ce faire, nous écrivons d'abord ce 3x sous la forme 2x plus x, et ensuite nous appliquons la formule d'addition du sinus. Le sinus de alpha plus bêta, c'est le sinus de alpha fois le cosinus de bêta plus le cosinus de alpha fois le sinus de bêta. Là et là, nous reconnaissons des formules de duplication. Le sinus de 2x, c'est 2 sin x cos x, et le cosinus de 2x, c'est cos carré de x moins sin carré de x. Donc nous obtenons ce calcul-là. Calcul dans lequel nous distribuons ce sinus de x sur ces parenthèses. Nous obtenons sinus de x fois cosinus au carré de x, et là il y a plus 2 sinus de x fois cosinus au carré de x, donc au total ça fait 3 sinus de x fois cosinus au carré de x, et puis encore sinus de x fois moins sinus au carré de x, ce qui donne moins sinus au cube de x. Dans la réponse, il n'y a plus que des sines. Or là, il y a encore un cosinus de x au carré. Alors transformons-le de suite par la formule fondamentale de la trigonométrie en 1 moins sinus au carré de x, donc comme ceci. Et en distribuant encore ce 3 sin x sur ces parenthèses, nous obtenons exactement ce qu'il fallait trouver. Et l'exercice est déjà terminé.